Salut les amis et bienvenue dans l'atelier, je suis Rosby88. Bon, ce matin, enfin ce week-end d'ailleurs, grosse séance de rangement dans l'atelier. Remise en place des différentes tailles de bois, aspiration, toute la merde qui était passée là-dessous. Bref, un gros ménage. Donc, j'ai remis en place différentes choses. J'ai retrié mes bois, tous mes contreplaqués. Multiplie, 3 plis, etc. Et surtout, j'ai intégré ma nouvelle affleureuse sous table à l'aide d'un bout de valchromate noir que j'ai huilé. J'ai fait ça bien sûr à la CNC qui est suspendue au-dessus, qui est montée en position haute au plafond pour pouvoir travailler en dessous. Et j'ai fait avec une scie plongeante, j'ai découpé l'emplacement ici. Et puis j'ai usiné la partie noire en valchromate à l'aide de la CNC ci-dessus. Voilà. J'ai intégré la plaque chinoise commandée sur Banggood, qui est vraiment super qualitative. Ça passe tout juste. Hein. J'ai mis un renfort en dessous là, pour que ça tienne bien. Il me reste encore toute la partie rail qui n'est pas arrivée et la partie guide latérale qui sera sur deux rails de 300 mm encastrés ici, des rails de 45 mm de large. Sur 12,8 de profondeur, des rails fournis avec des outils de mesure. Voilà. Et donc, ici j'ai fait également du rangement. Ici vous avez donc tous les petits bitonniers là, qui sont rangés ici. Donc c'est aimanté, vous les mettez là. Ça se met en place tout seul et c'est parfaitement plan. Ici, réglage micrométrique pour la montée de la fleureuse, hein, qui est une copie de Makita ici. Voilà, tout un système en alu en dessous là. Et ici tout le matériel qui va avec, le décapsuleur n'en fait pas partie. Les clés de réglage pour la planéité, la clé de montée de la fleureuse, les clés de montée micrométrique, et puis de quoi changer la fraise. Donc j'ai tout rangé là, tout à portée de main. Et quand vous avez fini, vous pouvez changer le kit. Voilà les amis, écoutez, je refais une vidéo quand tout sera en place avec le guide latéral qui devrait arriver fin août si tout va bien, mi-août, je suis en vacances, donc voilà. Voilà, et donc ici on a la scie sur table qui est bien opérationnelle aussi, avec son guide latéral également, donc ça commence à être vachement opérationnel. Et puis ici tout le monde. Voilà les amis, écoutez, bon week-end, à bientôt, bisous.